passé. Plus passé. Li passé comme son ancien président, li parlé dans la presse. Okay, problème, li gon problème santé et puis li passé, that's it. Kote mais pas de toute capitale ça m'a fait sous li. Oh. Va comprendre. Donald Trump gen corona, kote kote Amérique déjà fait tout bruit ça yo. Macron gen corona, kote France déjà fait tout bruit ça yo mes amis. Boris Johnson gen corona, kote anglais ont fait tout bruit ça mes amis. Président britannique. Où que ça va ça dans pays là? Beaucoup de problèmes là mes amis, beaucoup de problèmes là. Faut nous commencer planer puis wow. Comme gen nèg ici pas gagner pour yo pas gagner pour faire. Comme gen nèg ici pas gagner pour faire. OK? Et faut que moi dise que ça on a habitué faire monsieur il pas marche encore. Parce que je dis un pays a besoin de gagner moun, OK, qui ca porter contribution pour nous retirer dans sa lié là aujourd'hui là. Et pas des pas et pas moment côté que nèg a fait débat, vous remontez sur l'autre, vous remontez sur journaliste, vous remontez sur l'autre. Non! C'est pas moment pour qui ça rapporter. Ça l'a pas apporté. Il y a des gens qui font toute vie dans l'opposition. D'ailleurs, c'est là au campé. Le gouvernement s'est monté là-bas. Demain matin, premier monde qui campe en face, yo même. Le gouvernement monté bas. Premier monde qui campe en face, yo même. Parce que yo fait toute vie dans l'opposition. Écoutez, madame, monsieur. Donc, il faut nous travailler tête nos chances dans le pays. Mais, bon code qui vous casse. Aïe, aïe, aïe. Gon code qui vous casse. Gon code qui vous casse. Et code ça l'a casse, les plus justes seront sauvés. Parce que le pays a gagné, il a gagné sous lui, il a gagné. Et si pas de scandale, si pas de monde qui continue à mourir dans le pays, si je dis, on partit dans le pays, pas effondré, parce que le pays a gagné. Si je dis, blanc pas bonne décision pour dire que non, il faut finir ce dossier haïtien parce que le pays a gagné. Il y a des gens qui ont gardé le pays. Et semaine, ça, on ne peut pas manquer ça. Où tu as payé à prendre là? C'est mon route comme si côté que tout va fini. N'intérêt à qui moun gueule, je ne sais pas. Si son zombification, côté que je zombifie le peuple, qui moun qui a la base de zombification, ça, je ne sais pas. N'intérêt à qui moun gueule, je ne sais pas. Il n'est pas fort, il est pour payer. Parce qu'il n'est pas fort, il n'est pas pour payer. Il n'est pas fort, il n'est pas fort. Il n'est pas fort, il n'est pas fort pour personne. Pour personne. Jodi al ka bon ou pas ou ka penser le bon oui, pour mais oui mais des mais pas bon pour personne monde parce que c'est nous tous qui n'a fatra madame monsieur c'est nous tous qui n'a bateau cap couler là et ça c'est ça me voulait que mettre dans tête nous pas garder tout son bateau nous tout son bateau cap couler là et puis pendant nous sous bateau cap couler là pour n'a goumentrer nous encore sous bateau là bon finalement c'est pas remettre que c'est remettre pas remettre tête nous finalement c'est remettre pas remettre tête nous. Je dis, ce n'est pas le moment côté que nous avons voulu monter. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Ok? Je dis, c'est le moment pour nous dire, ça n'a pas payé ça. Est-ce que tant Jovenel Moïse était comme président de la République, on a quitté le FEL jusqu'à 7 février 2022, après ça, nous avons été en transition? Ou bien est-ce que c'est tout père qui a levé pour dire non, il est pour l'aller, mais que tout père a levé pour dire non, que il est arrivé pour l'aller? Ne pas oublier, c'est dans la politique que nous avons, donc il y a un rapport de force là. Bon, si nous ne pouvons pas faire ça, ça va passer. Faut que l'autre alternative sous table. Si nous ne pouvons pas faire ça, faut que l'autre alternative sous table. Mais pas oublier, étranger à tout, la gado. La brio. Dominicain a quitté là, donc la gado, la brio. Mais bon, ça va même. Je, bah, bon, la bénéficier là. Ah, ça a bénéficié des problèmes, nous là. Ah, oui. Oui. Dominicain a bénéficié de problèmes, nous. Oui. Dominicani a bénéficié de problème dans nous. Ouais, ouais, tout petit programme qui était fait là dans le pays. Tout à fait, c'est Dominicani. Tout à fait, c'est Dominicani. Oui. Tout le programme culturel qui était fait là dans le Port-au-Prince. C'est l'argent qui a brassé l'autre bois. C'est l'argent qui a brassé là-bas. Il était dit ça dans le matin de bas. Sans oublier les jeunes nous qui allaient l'autre bois. Et les jeunes nous, ils voulaient dire transfert diaspora. Tout le bagaille. Oui. Et quand on dit ça dans le matin de bas, moi, je dis que quand on l'a privé, Dominicani apprend classe moyenne nous. Et de fait, je dis, regarde qui est-ce qui traversait en République Dominicaine. La classe moyenne d'Haïti. C'est lui qui a investi en République Dominicaine. Et Dominicain ouvert bras, bah yo toute opportunité pour vous faire. Yo toute opportunité, je dis à madame monsieur de la République Dominicaine. Ma pretende ou dit boy. Oui. Ou ka ou goumé pour nèg ou vont business ici dans pays, lui la Kaili. La Kaili. On traverse en République Dominicaine. Facile ou gata. Même pretende ou dit boy qui ouvre un shop personnel, mais lui expliquer raison. Qui fait que l'ouvre shop là et de fait ça le dit lui raison. Ou pas raconte lui, non? Puis son monde qui est populaire, l'État font business ça sous Delmar. Un dit qu'on artiste qui a un problème avec elle, et puis manifestation.
et puis artiste ça organisé avec deux trois militants et puis sortant des de craser business et puis bouler business lui. Comment bien madame monsieur. Donc je dis c'est que faut nous cagarder tête dans pays ça. Malheureusement il y a des nèg là moi qui parler dans radio. Il y a des nèg là moi qui écrit sur réseaux sociaux. On ça fait pas donner nous parce que moi pas gagner dans tête là même. Moi pas gagner même dans tête là c'est déjà qu'on répète. Dès qu'il a qu'à répéter ça mon a dit. Des moun qui ont mis ton code dans la tête, ils ont traîné dans la boue. Ils vont même connaître ça à faire même personnellement. Ils vont même connaître ça à faire personnellement parce que j'ai eu bandé. Parce qu'ils ne sont pas maître de eux-mêmes, ils ne sont pas maître de leurs pensées. Je dis à faire nous caler les jeunes comme haïtiens. Parce que ça qui est là, madame, monsieur, dans la boue sentie que nous sommes là, c'est nous tous qui sommes dans la boue sentie. Et pas qu'ils ont dit bon, c'est l'autre. Parce que nous tous sommes haïtiens. Et parce que Blanc Capgado là, je dis là, il ne peut pas faire une différence entre nous qui sommes là, voilà cela, on est qui est du Valéris, on est qui est Tête Calédon. Il n'est pas écrit dans Figuilou. Donc c'est haïtien lié. Je dis, on nous suspend, perd du temps dans l'irrationalité. Ok? Ça qui n'est pas important pour le pays, on ne perd pas du temps là-dedans. Ok? Je dis, nous était, on garde, on réfléchit, on garde comment on garde aussi tête nous dans sa nourrie là. C'est vrai qu'on a pile intérêt à terre là. On a pile intérêt. Parce que yon bataille politique, toujours gen intérêt qui cache des batailles politiques là. Ok? Toujours gen des intérêts qui cache des batailles politiques là. Mais moun sa ou ka fait politique, je dis à partir de intérêt yo. Mais gon minimum de conscience pour nous gen d'où? Parce que comment on a ka fait, je dis à qui que, à qui l'estomac, ou ka campé là dans le pays, pour garder quantité moun sa ou qui mourir dans le pays. Et qui continue à mourir dans le pays parce que ou même, ou a besoin de question politique ou? Et puis, nous avons des jeunes garçons, des jeunes femmes, des hommes dans le quartier populaire, et puis, ils ont fait tout dégâts dans le pays. C'est vrai que nous disons que les problèmes dans les problèmes mystiques, tout, mais, écoutez, madame, monsieur, donc, on est capable de vivre dans le pays. Mais, il y a un minimum de conscience pour ta gagner. Il y a un minimum de conscience pour ta gagner. En tout cas, madame, monsieur, donc, tout n'est pas perdu. Donc, ou Haïti que nous sommes là, tout n'est pas perdu. Mais, sauf que, nous même en tant que haïtiens, il faut nous connaître exactement ça nous voulait. Ça nous voulait. Et côté nous voulait aller réellement. Mais tout ça là, il n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et papa, j'aime bien ça. Pas un pays sous la tête, pas un problème. Ah, bah, les gens qui ont fait pour résoudre le problème. Là. Pas un pays pour sous la terre. Problème. Pas un pays sous la terre, donc qui a un problème. En tout cas, bon, nous parlons avec l'éditorial là. Et puis. Ensuite, nous allons entrer dans un point qui participe sous table, madame, monsieur, donc pour ce mardi 22 juin 2021. Josué, on allait avec l'éditorial là, donc, et qui c'est en signature de monsieur Robinson d'Haïti. Vous êtes capable de toujours contacter monsieur d'Haïti au 31 55 43 25. Haïti, instabilité. Cette élite économique improductive et dangereuse. De points d'observation. Placé sur les hauteurs, on peut se demander s'il existe une élite économique en Haïti. Cette élite économique qui existerait par défaut serait-elle une centaine d'individus qui ne possèdent rien d'autre que de leur que de l'argent? Qui dit élite dit mérite. Quel est le mérite de cette petite compagnie d'hommes et de femmes non unis et non organisés? Aucun mérite, dirait-on. Ils ne se consacrent à aucune cause noble, sinon celle de se remplir les poches. Ils ne construisent ni hôpitaux, ni bibliothèques. Ils n'investissent pas dans les arts et la culture. Ils n'ont jamais l'ambition de marquer leur temps par la force d'un grand exemple. Ils sont tout simplement des marchands. C'est pénible de les voir s'amuser à dire qu'ils sont en mesure d'aller recevoir des soins médicaux ou passer des vacances à l'étranger. Ils ne proposent rien. Ils sont, à bien des égards, un obstacle au développement économique. Ils ne sont pas des serviteurs du bien et des protecteurs de l'ordre social. Au contraire, ils constituent une entrave à la stabilité politique puisqu'ils composent
très souvent avec des gangs armés. Vu le règne de l'impunité, il se constitue progressivement une élite économique hors la loi. Tout est étranger à ces hommes et femmes qui possèdent de l'argent en Haïti, parce que chacun a un pays étranger qui lui appartient. Peut-on compter sur eux pour être des acteurs décisifs du relèvement économique de ce pays? Cette élite économique n'a-t-elle pas